les yeux qui font baisser les miens, un beau sourire sur ma bouche, ce sont sans retouche la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, je parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Les nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis qui s'effacent, heureux à en mourir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Descendre d'une côte pour finir par nos noces, c'est le comble. Ah non, non, non. Et alors qu'une fois marié, heureux, plus de problèmes. Bah que nenni, j'y suffisais plus. Pour elle, le péché originel, c'était pour faire des enfants. Mais bien deux sûr. Deux enfants. Elles adorent les enfants, elles aiment trop les enfants. Oui, mais le problème, c'est aussi qu'avec vous, hein, vous êtes toujours adorable avec les enfants. Mais surtout quand c'est ceux des autres. Bon, on voit bien que c'est pas lui qui a supporté l'attente, hein. L'attente? Attendez, elle ne me dit pas que son attente, c'est l'attente du bébé. Ah non, l'attente avec L apostrophe. L l'apostrophe? Mais non, la consonne L. Ah, il la console L. Mais non, la lettre L. Oh, elle la prend trop à la lettre. Elle. Oh, je plaisante, arrête. Hein, Dieu aussi a beaucoup d'humour. Ouais, bah surtout pour nous serrer la ceinture, hein. Insinuerait-il que je paterne austère? Ouais, ouais, mais non, mais on voit bien que c'est pas toi qui a souffert. Et Ève, elle était d'accord à ce moment-là? Bah oui, elle était d'accord. Elle en voulait pas. Moi, je voulais que de l'entraînement, elle était d'accord. Et puis, un mois plus tard, elle m'annonce que j'ai... Et il ne s'en doutait même pas. Non, je m'en doutais même pas. Mais moi, je suis perspicace. Un jour, je regardais la télé, et elle passe devant l'écran, puis il m'a semblé qu'elle avait mis plus longtemps. Alors je lui dis, faudrait peut-être que tu fasses un régime. Bah, elle lui a dit, il n'y a pas de régime qui tienne. Dans un mois, tu seras papa. Et comment? Un mois? Mais je t'avais dit que j'en voulais pas, moi, je lui avais dit que je voulais pas. Oh, il peut crier, se lamenter, dire ce qu'il veut. Dans un mois, il sera papa. Un mois, je vous dis pas pendant un mois, j'ai pas fermé l'œil une seconde. Et puis un matin, je me réveille, elle sautait sur le lit, poussait les cris. Emmène-moi à l'hôpital, vite, vite.
Attends, j'ai pas déjeuné, j'ai pas pris ma douche. C'était un dimanche à 6h du matin, et le seul jour où je peux dormir, hein. Oh, mais vous connaissez les femmes, hein. Elle a traîné jusqu'à l'accouchement. Ouais, heureusement, là-bas, il y avait une salle de travail, il y avait un lit, j'ai pu me recoucher. Ça lui aurait permis de s'apercevoir à quel point c'est dur, un accouchement. Oh, oui, j'ai failli m'évanouir deux fois. Heureusement, Eve avait fait des cours prénato. Elle m'a aidé pour essuyer le front, pour la respiration et tout. Ouais. Mais j'en ai bavé quand même. Oh, qu'il se rassure, c'est fini. Ça y est, c'est un merveilleux petit garçon. En parfaite santé. Félicitations. C'est vrai? Oh, génial! Mais y a problème. Il est noir. Et le berceau de l'humanité est en Afrique. Oh ouais, mais pourquoi il m'a pas fait une fille? Elle aurait pas à passer par toutes les souffrances que je viens d'endurer. C'est ainsi. Il enfantera dans la douleur. Ouais, bah ça n'a pas de nom, hein. Et en parlant de nom, hein, comment il comptait le prénommer déjà?